Merci infiniment d'être là, Jérémy, sans accent sur les deux « et » de Jérémy. Hein. Oh, bah écoutez, à force qu'on m'en en mette. Deux plantes enseignantes, le tabac et l'ayahuasca, que vous connaissez bien depuis très longtemps et depuis, je crois, savoir une première rencontre en 1985. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du tabac ou de l'ayahuasca hein, dans vos ouvrages. Non, l'apologie, certainement jamais. Et j'ai consommé de l'ayahuasca régulièrement au cours de ma vie d'adulte. Il convient aussi de dire qu'en France, l'ayahuasca est parfaitement illégale. Et c'est vrai, le tabac, c'est une plante qui est légale un peu partout dans le monde, mais personnellement, ce n'est pas ma plante. Nous, ce qu'on appelle chaman, ou ce qu'on appellerait docteur, chez eux, c'est celui qui prend du tabac. D'abord, j'avais une impression du goût du sang dans la bouche. À ce moment-là, j'étais végétarien, mais je me suis pris à aimer ce goût. Et à promener ma langue sur mes dents de devant pour trouver qu'elles me paraissaient longues et pointues. Ensuite, j'avais l'impression au niveau du visage d'avoir des poils de chat qui poussaient et puis qui me permettaient de mieux détecter les mouvements dans l'environnement. Je revendique le fait de tester sur moi-même. Mais je n'encourage personne à faire ce que je fais.